Hunter x Hunter est un de ces mangas où les méchants sont plus cools que les gentils, et comme l'Akatsuki de Naruto, la Brigade Fantôme fait partie de ces groupes entrés dans la légende. 13 criminels portant tous un tatouage d'araignée numéroté. Le seul moyen de les rejoindre, c'est d'en tuer un pour prendre sa place, et une fois tatoué, seule la mort permet de les quitter. C'est pour ça que la Brigade Fantôme a les combattants les plus puissants d'Hunter x Hunter, mais qui est au sommet de la hiérarchie? Eh bien c'est ce qu'on va voir. Qui est le membre de la Brigade Fantôme le plus dangereux? Alors déjà, tous peuvent faire des dégâts colossaux. On se souvient de Franklin, le numéro 7, qui lâche des milliers de balles de naine sur ses ennemis. C'est sa technique du double machine gun. Ses doigts font office de canon surpuissant, pouvant abattre des dizaines de personnes en un claquement de doigts. Les invités de la vente aux enchères de New York New City en ont clairement fait les frais. Ces balles sont capables de passer au travers de n'importe quelle défense, compliqué de s'en protéger quand on n'y est pas préparé. Mais bon, le plus dangereux des membres de l'araignée est sans aucun doute celui qui les dirige, Clolo Lucifelu, le fondateur de l'organisation et porteur du numéro 0. C'est un des personnages les plus fort de tout Hunter x Hunter, et peu de personnages dans le manga sont capables de lui tenir tête. Il a quand même affronté deux des plus grands assassins du monde, le père et le grand-père Zoldyck, qui ont fait alliance pour lui faire face. Certes, il ne les a pas vaincus, mais Zeno Zoldyck reconnaît la valeur de leur adversaire, et est persuadé que si Clolo s'était donné à fond, il aurait eu raison des chefs de la famille Zoldyck. Pendant le combat, il utilise son pouvoir spécial, Skill Hunter, un livre de naine qui lui permet de voler la capacité de n'importe quelle personne si un certain nombre de critères sont remplis. Il a donc un paquet de techniques, comme la téléportation ou même Lovely Ghostwriter, qui est globalement un Death Note qui prédit le futur. Le principal défaut de ce pouvoir est que si le propriétaire initial de la technique meurt, sa technique meurt avec lui et Clolo ne peut plus l'utiliser. C'est un peu dommage et c'est l'une des raisons qui fait que pour beaucoup, il n'a pas le meilleur naine de la brigade. Ça, plus le fait qu'il doit garder son livre ouvert à la page de la technique volée pour pouvoir l'utiliser et dès qu'il ferme le livre, son pouvoir se désactive. Ce n'est pas pour rien que c'est lui le chef de la brigade, il a une connaissance du naine exceptionnelle et c'est un tacticien de génie. Il a même réussi à faire croire à la mafia que lui et quelques autres membres de sa brigade étaient morts afin de leur échapper. C'est un génie d'un géniosité est l'un des personnages préférés de beaucoup de fans. Pourtant, physiquement, bah, il est loin de briller par sa force. Selon un classement établi par les membres de la brigade, il ne serait que 7ème sur 13. Ok, ils ont tranché au bras de fer, donc ça n'a pas beaucoup de valeur, ça prend pas en compte sa dextérité et son agilité qui ont tant impressionné Sylva Zoldyck, mais ça laisse un bon aperçu de sa dangerosité si on le prive de naine. Quel est le membre de la brigade fantôme qui est le plus fort physiquement? Si on reprend bêtement le classement de la brigade au bras de fer, on se rend compte sans trop de surprise que le premier est évidemment Uvogin. C'est le numéro 11 de la brigade et la bête sauvage du groupe. Il brise des rochers à main nue, arrête des balles, même une roquette. En gros, il est impossible à tuer avec une arme à feu. Même des armes anti-chars s'avèrent être complètement inutiles tant il résiste à la chaleur et aux explosions. Sans grande surprise, son type de naine est du renforcement, donc sa force naturelle qu'on vient de vanter peut être multipliée grâce à son pouvoir. Tout son corps peut devenir un bouclier impénétrable, faisant de lui le membre le plus résistant de la brigade fantôme. Même s'il ne maîtrise pas les arts martiaux comme certains de ses camarades, il parvient à vaincre tous ses ennemis grâce à sa force brute, et contre toute attente, grâce à sa vitesse et son agilité. On pourrait s'attendre à un lourdeau, mais non, Uvogin n'est clairement pas le membre le plus lent de la brigade. Il est même l'un des combattants les plus endurants, il soigne rapidement ses blessures et a un esprit combatif si puissant qu'il est capable de résister au poison et à la torture. Beaucoup de fans ont tendance à le sous-estimer, étant donné qu'il est un des premiers à mourir, mais je leur conseille de revoir la série. Ne doutez pas de la puissance d'Uvogin, il défonce les 4 bêtes de l'ombre d'un claquement de doigts, il y en a même une qu'il tue juste en lui pétant les tympans. C'est aussi là qu'on découvre son pouvoir de naine, le Big Bang Impact. Son nom veut tout dire, il concentre l'aura de son poing et vous frappe, réduisant tout ce qu'il rencontre en miettes. Son coup est tellement puissant qu'il crée un cratère de plusieurs mètres de diamètre. Un seul de ses coups est basiquement aussi puissant qu'un missile. Donc certes, il a perdu face à Kurapika, mais ce dernier est littéralement imbattable face à un membre de la brigade fantôme. Uvogin, par son sacrifice, a permis à ses amis de réaliser la dangerosité du Hunter à la chaîne. Le problème, c'est que puisqu'il est mort, il faut désigner un autre gagnant, et l'actuel plus fort dans les membres encore vivants serait donc le deuxième du classement en bras de fer, Finks. Le numéro 5 de la brigade dispose lui aussi d'une force physique et d'une vitesse exceptionnelle. En bon utilisateur du naine du renforcement, il est capable de briser la nuque de son adversaire en un éclair. Le mieux, ça reste quand même son pouvoir de naine, Reaper Cyclotron, qu'on voit dans l'arc des fourmis chimères. La technique consiste à tourner son bras, et à chaque rotation, il multiplie la puissance de son coup. On ne connaît pas la limite de cette attaque, mais on sait qu'il a du mal à en estimer la puissance, comme là lorsqu'il avoue en avoir trop fait face à une fourmi chimère. On ne l'a pas encore vu assez combattre pour connaître ses limites, mais sur internet les débats sont toujours ouverts, et la théorie la plus plébiscitée qui me plaît bien est qu'il consomme du naine à chaque rotation, et qu'il peut le faire autant qu'il lui en reste, ce qui fait presque froid dans le dos. Avec seulement 15 rotations, il désintègre une fourmi chimère, alors imaginez s'il tournait le bras 30 fois, il aurait sans doute pu raser tout le bâtiment, voire plus. Quel est le membre de la brigade fantôme le plus rapide?
Faitan est clairement le membre de la Brigade Fantôme le plus rapide qui soit. C'est un des membres les plus puissants de l'organisation, tellement que quand Clolo ne peut plus tenir son rôle de chef, c'est lui qui le remplace temporairement. Certes, il n'est que 5ème dans le classement de la force physique, mais il a un autre point fort en plus de sa vitesse, son pouvoir de naine, le Rising Sun. Pour beaucoup de fans, il s'agit là de la technique de naine la plus puissante du manga. Faitan convertit les blessures qu'il a reçues en chaleur, et les condense en un immense soleil qui va littéralement carboniser son adversaire. Ainsi, plus il est blessé, plus la température de son soleil sera élevé. Cette technique tue littéralement tout ce qui est autour de lui, et c'est pour ça que ses camarades prennent la fuite quand ils réalisent qu'il est en train de déployer son soleil. Après, sa qualité principale reste sa vitesse fulgurante. Il arrive quand même à décapiter d'un seul coup plusieurs gardes de la mafia en une fraction de seconde et à vaincre Zazan, une des plus puissantes fourmis chimères du manga. Pourtant, malgré toutes ses qualités, j'ai trouvé une théorie assez intéressante. Le plus rapide de la brigade serait en fait Bono Lenov. Oui, la fameuse momie boxeuse. On pensait tous que c'était un des membres les plus pétés de la brigade jusqu'à ce qu'il n'enlève ses bandages. On a clairement découvert un nouveau personnage beaucoup trop stylé. En réalité, il vient d'une tribu qui a comme tradition de se percer des trous dans le corps depuis l'enfance. Et grâce à ça, il développe une technique de combat basée sur le son de l'air qui traverse son corps. En somme, il s'utilise lui-même comme étant un gros instrument avant, en rendant hommage à ses ancêtres dans ses danses. Et pour le moment, il attaque ses adversaires grâce à deux techniques qu'on connaît. La première s'appelle le prologue, où il se transforme en guerrier tribal avant de charger son adversaire. Ce n'est pas la plus destructrice, mais elle a le mérite de venir à bout de la majorité de ses adversaires. Et sa deuxième attaque connue se nomme Jupiter, et il la prépare contre une fourmi chimère qui tente de s'enfuir. C'est là qu'il dira une phrase énigmatique. Même si vous fuyez rapidement, votre vitesse n'approche pas celle du son. On constatera que Borolenov a matérialisé une gigantesque sphère semblable à la planète Jupiter qui va s'écraser sur son ennemi, le réduisant en bouillie. Cette phrase sur le son a semé le doute chez les fans de la licence. Même si on sait que c'est un des personnages les plus rapides du manga, est-ce qu'il peut vraiment se déplacer à la vitesse du son? Peut-être faisait-il simplement référence à sa danse? En tout cas, c'est un grand débat dans l'univers d'Hunter x Hunter et on espère avoir la réponse un jour dans le manga. D'autant plus qu'on sait que c'est quelque chose de possible. On a déjà vu Netero se déplacer à la vitesse du son dans le manga, mais il s'agit d'un des personnages les plus puissants qu'on ait vu. Affaire à suivre donc. Quel est le membre de la Brigade Fantôme le plus faible? Ne nous mentons pas, même les membres les moins impressionnants au combat restent dangereux. Chalnark et son téléphone qui manipule les gens, ou encore Shizuku et son aspirateur capable d'aspirer n'importe quoi, sont très efficaces pour une activité criminelle. Le membre le plus faible de la Brigade Fantôme n'est pas difficile à trouver, puisqu'il se définit lui-même comme tel. Il s'agit de Kaluto Zoldyck. Jeune frère de Kirua et plus jeune membre de la Brigade, il est là pour remplacer Hisoka après sa désertion. Bien évidemment, il est loin d'être faible, il n'a que 10 ans, mais c'est déjà un très bon assassin avec une vitesse et une agilité incroyables. Il a même été capable d'espionner la Brigade sans se faire repérer grâce à des petites poupées de papier chacune à l'effigie des membres. Vous l'aurez compris, il utilise ce matériau et son naine lui permet de projeter des pluies de confettis sur son adversaire grâce à un éventail. Et évidemment, son naine renforce le papier qu'il utilise afin de le rendre tranchant comme une lame. C'est grâce à ça qu'il peut couper une corde en acier et même la carapace des fourmis chimères. C'est beau, mais ce n'est pas aussi impressionnant que les autres membres de la Brigade qu'il a déjà observé en combat. Ainsi, il y a des chances qu'il se sous-évalue beaucoup. En particulier parce qu'il y en a un qu'on n'a jamais vu se battre, Kurutopi, l'espèce de sac de nœuds. Il est clairement le plus faible de l'organisation pour la simple et bonne raison qu'il ne sait pas se battre. Son haine lui permet de créer des copies de tout ce qu'il touche, tant que ce n'est pas quelque chose de vivant. Il a purement un pouvoir de voleur, et même s'il peut reproduire des immeubles, ce n'est pas le membre le plus efficace de la brigade. Mais alors, qui est le meilleur membre de la brigade fantôme ? Uvogin, Faitan, Clolo, on a parlé des membres les plus impressionnants de la Brigade Fantôme, et leur puissance ne fait plus aucun doute. Même si beaucoup considèrent que Clolo Luciferu est le personnage le plus puissant de la Brigade, ce serait en oublier un qui est très important. Hisoka. Alors je vois venir, Hisoka ne fait plus partie de la Brigade Fantôme, mais techniquement Uvogin non plus. Alors oui, Hisoka n'a infiltré la Brigade que pour affronter Clolo, mais il a quand même réussi à prendre la place de l'ancien numéro 4, ce qui implique de le tuer je le rappelle, et de ne pas éveiller les soupçons pendant toute son attente. C'est l'un des personnages les plus énigmatiques de l'anime, et son but est de se mesurer au meilleur combattant qu'il rencontre. Il veut du challenge et il arrive toujours à l'obtenir. Il est l'un des personnages les plus dangereux, les plus forts, les plus rapides et les plus imprévisibles. Son haine n'est autre que le Bungee Gum, et grâce à ça, son aura prend une apparence élastique et en copie les propriétés. Ça a pas l'air ouf dit comme ça, pourtant c'est extrêmement puissant. Il peut déjà s'en servir défensivement, son aura est assez forte pour absorber toute la puissance d'une balle lancée par Gon et redirigée par Razor, deux des plus grands combattants de Hunter x Hunter. Il peut aussi l'utiliser offensivement, son aura s'accrochant aux gens comme un vrai chewing-gum. Bref, c'est l'un des personnages les plus intelligents et les plus classes de la série. Sérieusement, qui ne l'a pas trouvé trop cool dès le début avec ses cartes insufflées de naine et assez dures pour trancher les os? À la fois gentil et méchant, il semble
semble ne vouloir qu'une chose, mener des duels divertissants. Et c'est clairement l'un des meilleurs personnages de la série et on aurait aimé le voir un peu plus longtemps dans la brigade. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si l'animé reprend, on ne devrait pas tarder à le revoir à l'action. Mais du coup, au final, qui est le plus fort? Malgré tous les atouts d'Hisoka, en 1 contre 1 pur, il ne fait pas le poids contre Clolo. Et ça, on le sait grâce à un combat mémorable qui se finit sur une cuisante défaite pour le clown. Et c'est normal. Pour pouvoir gérer un groupe aussi puissant et dangereux, il est clair que le chef doit l'être encore plus. Que ce soit en agilité, puissance ou intelligence, Clolo est clairement au-dessus du lot. Il est le meilleur membre sans conteste de la Brigade Fantôme et j'espère que s'il y a un futur combat entre lui et Kurapika, ce dernier sera mémorable pour l'histoire du manga moderne.